Mesdames et gentlemen, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est comme vous voulez. On se retrouve pour le let's play numéro 9 du chapitre 7, Extinction des feux. Avec nos deux ennemis. On sait maintenant comment on peut marquer un ennemi, tout simplement en maintenant enfoncé L2 et en appuyant sur L3, c'est-à-dire le joystick gauche. Et hop, on marque un ennemi. Mais nous, on doit se sauver, alors attention à eux, attention à leur lumière. On va le laisser revenir. Tranquillement, pour l'assommer. D'un coup sec et net. Viens là mon bichon. Commande. T'es sérieux, il veut pas venir. Voilà, viens là ma caille. On va faire un petit vol plané. Ok, lui il a un doute vu qu'il est en jaune. Passe l'arme. Qui est bien, c'est comme on peut le voir, on peut très bien jouer l'infiltration ou y aller comme un barbare pardon, et sortir le gun à tout va. Là je sais même pas par où passer, en tout cas c'est pas là il me semble. Ok, on est grillé et on est bloqué. Bon, on va gunfight un petit peu. Ça arrive, ok, on reste bien dans les fusées. Ok, il m'a grillé. Ok, là par contre, tu sais pas où je suis. Non compliquer les choses. Facciamolo fuori! Oh merda! Voilà. Ça c'est beau. Ah merde, il y en a là. Hey, doucement les gars. Calme, calme. Hey, shoot. Au suivant. Allez, viens. Dans les couilles. Non, pas trop, non. Il est où lui? È andato lì dietro. Cerchiamo ovunque. Ci penso io. Banzai. Faccio un petit vol aussi toi. Il y a pas de problème. Thank you.
Ah. Oh putain. Ouf. Comment on fait pour se casser d'ici, ma gueule? Idiot del pute. Discrétion d'abord, les questions après. Trophée. Ok. Ouf, je me suis dit ça y est encore. Il va tomber ce con. Par contre là pour remonter, on a un petit rebord là. Ok. Ok, par contre là. J'irai bien par là et par là, mais j'en suis pas sûr. Et par là. Tellement grand, comment voulez-vous trouver des trésors là-dedans? C'est peur, Nate. Bon, on est presque dans la salle de bal. Attends, je suis coincé ici. C'est peur, lui. J'aurais besoin d'aide. J'arrive, Sam. D'accord, moi je me joue discret, lui. C'est quoi ça? Parfait. Parfait, oui, mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux prendre ça, mais... Ok, lui il est là. Et toi, t'es là. Ça. Ah oui mais non, ça j'ai compris ça. Attends, oh. C'est pour monter sur le toit. Il sait pas, il sait pas. Il sait pas, il sait pas, il y a un doute. Non era niente. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Par contre maintenant il va falloir qu'on... Là il est chopé. On a... Caralho! É chute! Ok, donc je monte là. Et. Je récupère. Ok, là on a un treuil. Le tour par là s'impose quand même. Hein. Très belle statue en passage. Y a rien du tout. Oh les radins. Rien quoi. Ok, ok, ok. J'ai compris le treuil. Ah non, c'est... Allez, c'est reparti. Je vous entends. Ok. Ok, carrément, quoi. C'est pas vrai. Cette fois-ci... T'amuses bien. Ça va être du gunfight. J'ai plus rien à faire dans ces enchères.
Non, j'en ai eu un. Moi non plus. Bon les gars, léger changement de programme. Il y a trop de gens qui essaient de partir, la ligne de la crasse. Oh le Hechou qui l'a pris au vol lui. C'est quoi le plan B? Vous voyez la fontaine juste devant la salle de base? On se retrouve là. Ok, en route. Oui, je suis sérieux. C'est chaud pour moi. Ok, une balle. Ok, on a récupéré un pont, ça c'est cool. Ouais, ça doit être à court passé. Attention à toi. Aïe aïe. Ah, celle-là est bien. Les pauvres qui ne reviennent pas, tu m'étonnes. Ok, la statue est là. Viens. Ça, par ici. Sully, on va pas tenir bien longtemps. Viens mon petit, je suis pas très loin. C'est clair qu'on en fait non, Sully. Allez, on va essayer de passer par là. On va prendre le revers. C'est bon. Accrochez-moi. J'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi? Elle est vide. Quoi? Mais... C'est vraiment enfoiré. C'est ton frère? Tiens donc, une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avril. Qu'est-ce que c'est? Odie, mecum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte de code? Ou un numéro de téléphone? C'est évident. Latitude, longitude. Hein? Ah non, d'accord. 1659. C'est l'année de naissance d'Avry. 1699.
Laisse-moi deviner, l'année de sa mort. Eh, hey, d'après la plupart des récits, mais ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avry. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rafe passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok? Tenez, regardez. L'agencement des lieux est très inhabituel. Ouais. Là, c'est la cathédrale, mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Mais c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô? Salut, c'est moi. Non, je capte super bien. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam, je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Bah, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non. Ah, l'excuse bidon. Oui. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Ils ont tous fin d'aventure, c'est tout, voilà, quoi. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. Eh ben, j'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année. Bon, on peut dire que Rafe a mis le paquet. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Sully. Ouais. Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir? Ouais, mais à moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Hey, Nate. Oui? Si tu peux... faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au capitaine Avry. Chacun s'accorde cette fois. Pour le chapitre 8, la bombe d'Henri Avry. À l'époque où Avry a navigué jusqu'ici, l'Esplay 10, c'est parti. Non, JB, c'est l'Esplay 9 pour l'instant. 9. Enfin, je dis ça, j'ai rien. Allez, c'est parti. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Avry? Je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter.
Sam, écoute. Il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. J'ai entendu de ces trucs. Fais-moi confiance, toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. Il n'est pas dans la neige, il est tellement bien foutu, on croirait que c'est vrai. Le parc de la cathédrale ? Ouais. Un peu. Mais ça fait longtemps, alors. C'est un peu flou. Une grue, des explosifs. Je crois que voler la croix a rendu ce cher Rafe un tout petit peu nerveux. Ouais, tu m'étonnes, un poil nerveux. Bon, là, c'est tellement vaste que on a envie d'aller tout partout. Et c'est sûr qu'il y a du trésor. Ça d'arriver ici après avoir vécu aussi longtemps sous les tropiques. Ah, ça, j'imagine très bien. Ah bah oui, forcément. Avec ton séjour en prison. Ouais, tu peux pas imaginer à quel point le froid m'a manqué. Perdons pas un œil. Donc lui, il est là, Raph, là de merde. Et nous, l'église, elle est là-bas. Allons-y gaiement. Ok, toi t'as pris une meilleure voix que moi. Ok. Avec là, s'il croise les doigts. Les doigts, les mains plutôt. C'est un peu haut. Ouais. Faut qu'on trouve un autre moyen de descendre. C'est super grand quoi. Ça change complètement des autres opus où justement on était restreint un peu comme un couloir. Et là, cette fois-ci, on a vraiment cette opportunité de... Ok. Cette opportunité, justement, de voyager. D'avoir un espace super grand. Ça change vraiment, quoi. C'est pas un open world, mais... Il y a certains chapitres, justement, qui ouvrent vraiment l'accès. Ouais. Comme si c'était un open world. Bon, on fait comment, frérot? Parce que là, il y a moins de grappins, il va falloir qu'ils servent, quoi. Non? Si je peux pas passer là, il faut que je remonte. Je peux pas remonter. Ouais, ok. Il faut que je glisse là, comme ça. Ok. C'est la combine, quoi. Vas-y, viens, Sam. Voilà. Ah, il fait ça mieux que moi. Ah, ok. Ça, ça devrait tenir. Oh, bien vu. Une souche. Putain, je me suis essayé, il va se niquer la gueule. On maintient L1 et on descend le joystick. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel d'excavation. Shoreline ? Quoi ? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Allez, c'est parti. Il y a une faillite. Il y a bien quelqu'un. Il a pris dans la tête, rien que ça. Ok. Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Et on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Et vous avez pas pensé à chercher sous la cathédrale ? Bah si, on l'a fait. Un peu. Mais cet endroit est tellement grand que, franchement, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ou chercher une aiguille dans un baril de poudre. Alors tu crois qu'on va trouver une tombe où il y a écrit C.J. Henry avant. Bravo, c'est le pirate reconnu. Non, ça m'étonnerait. Je crois pas qu'il ait pris tant de précautions à cacher ses traces pour mettre son nom sur une pierre. Ça sert maintenant et là. Ça fait utiliser le grappin. Ok frérot, attends, je te suis.
Un peu haut encore. Ouais, ça va. Ok. Oh, c'est juste super grand en fait. C'est quoi cet endroit ? La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments. On y est déjà ? Le principal étant à côté du cimetière. Plutôt sympa la déco. C'est complètement penché le décor. On a du bol, il n'y a pas de gars de shoreline. C'est le décor penché d'Arthur. Si ça se trouve, ils se sont fait sauter la paillasse tout seul. Chose, on dirait là. Tiens, qu'est-ce que tu paries ? Oui, de la dynamite. Eh, tu fais gaffe avec ça. Ok, on peut en avoir jusqu'à 4. Et pour l'instant, on a une. Le triangle pour annuler le lancer. D'accord. Quoi là ? Non. Vraiment oui. Ça y est, j'ai ouvert la porte. C'était légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont entendus. Ça explose de partout. Alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde, on pourrait passer par le toit. Mais c'est beaucoup trop haut pour nous. Faut qu'on trouve un truc sur lequel grimper. Ouais. Ça a pas l'air d'être ici en tout cas. Ça, non ? Non, trop petit. Il est parti où ? Ah ! Maintenant, on peut le dire, ne ratez pas le Let's Play 10 pour la suite de cette aventure. Chapitre 8. La bombe. C'est possible, je vais pas trouver tout de suite. D'Henri Avry. Voilà, à tout de suite ça. Ça, c'est des roulettes, ça m'intéresse.